The drink for today is you. Be cool. Be you. Drink quite a bowl. Alors, Nomad Soul, c'est un jeu qui est un peu vieilli, hein, 1999. Les graphismes sont plus au top, ils l'étaient à l'époque. Un jeu qui a pas mal cartonné, pas seulement à cause de David Bowie qu'on entend et qu'on voit même graphiquement dans le jeu, à cause aussi de l'histoire. C'est un monde ouvert. Omicron, un monde mystérieux. Alors, je suis le joueur, comme tous les joueurs, devant mon clavier. J'allais faire quoi? Écrire mon bouquin, le poursuivre, regarder une série, j'en sais rien, peu importe. Puis d'un coup, bam, ce mec apparaît. Devant moi, surgit une brèche multidimensionnelle et il me dit que son monde est en danger et que je suis moi, le joueur, le seul à pouvoir le sauver. Son monde, c'est Omicron. Et pour ça, il faut que je transfère mon âme dans son corps, que mon âme occupe son corps. Alors, dans Omicron, ce type-là est un policier, donc je dois occuper son corps. Je dois aller chez lui, à Omicron, dans cet autre monde. Il m'a filé la clé de son appartement. Sa copine, moi, je la connais pas. Si j'ai le corps de Kyle, je ne suis pas Kyle. Pas pire drôle. J'ai beaucoup de choses à te dire, et très peu de temps. Je m'appelle Kyle. Je viens d'un univers parallèle au tien. Mon monde a absolument besoin de ton aide. Toi seul peux nous sauver. J'ai réussi à ouvrir une brèche entre ton univers et le mien. Avec ta machine, tu peux la traverser et venir nous aider. Mais pour pouvoir le faire, tu dois transférer ton âme dans mon corps. Acceptes-tu? Appuie sur un bouton si c'est oui. Mais décide-toi vite, car le temps presse. Ben, ok, j'ai mon clavier, là. J'appuie sur un bouton. Ok. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ben, tu parles. Maintenant, concentre-toi. Oui, je veux bien. Et alors? Ben, il se passe rien, là. Où il va, lui? Où il va? Ça y est. Ton âme occupe maintenant mon corps. C'est la dernière fois que nous pourrons nous parler. Quand tu auras franchi la brèche, tu devras agir seul. Je réintégrerai à nouveau mon corps à chaque fois que tu quitteras le jeu, et je garderai ta place jusqu'à ton retour. Ok, d'accord. Ça y est, tu es prêt. Mais souviens-toi, une fois de l'autre côté de la brèche, tu seras seul. Tu n'auras pas de sauvegarde pour revenir en arrière en cas de d'accord. Tu entres dans un monde réel. Si tu fais une erreur, tu en assumeras les conséquences. Maintenant, écoute bien. Pour commencer ton enquête, d'abord, va dans mon appartement. Je n'ai pas le temps de t'en dire plus. Tu dois maintenant franchir la brèche avant qu'elle ne se referme. Ah, une dernière chose. Prends soin de mon corps. C'est le seul que j'ai. D'accord pour la plongée. Waouh! What vertige! Waouh, waouh, waouh. La lumière au bout du tunnel, presque. Oh. Et je suis où, là? Je suis où ici? Et il sort d'où, lui? Je t'attendrai. Vous avez été victime d'une agression à caractère violent. Rentrez chez vous. Nourrissez-vous et hydratez-vous. Si des troubles mentaux surviennent, consultez un psytech. La police d'Omicron vous remercie pour votre collaboration. Putain, ils ont vachement développé l'intelligence artificielle chez eux, les mecs. Là. Et je suis où, là?
faut sortir d'ici. Quoi, quoi? Ouais, on s'en doute. Ah, j'ai un terminal graffé sur mon avant-bras. Un snack. Un terminal multifonction. Ça donne quoi? Ok, j'ai la clé de l'appartement de Kyle. D'autres choses, j'imagine, pas le temps de regarder. Allez, on sort de ce long couloir, là. Et cours! Et cogne-toi pas dans les murs, connard. Oh putain, tu as appris à courir où, toi? Eh, c'est tout au clavier, hein. On n'utilise même pas la souris dans ce jeu. Pas tellement l'habitude. C'est ça, Omicron? Putain, ouais, il y a du brouillard au fond, là. Faut que je trouve un taxi. Non? Il y a sûrement un moyen de le com... Et c'est parti! Eh, ça va le générique, là, on n'est pas au cinéma. Eh ben voilà, j'y suis. Comment trouver l'appartement de Kyle, j'ai sa clé. Pour ça, j'ai le snack, là. Le bracelet multifonction au poignet. On va appeler un taxi. Et hop, ils sont où les taxis là? Sortons d'ici. Allez, cours. Fais gaffe, pas te renverser par une bagnole. Tiens, reste là, il n'y a pas la taxi. Ici, ici. Là, là, là. Allez, le snack. Comment on appelle un taxi d'ici? Non, c'est son identité. Nom, quel? Âge 30 ans, sexe masculin, groupe sanguin, K. Ah, il n'est pas d'ici, lui. Ouais, ouais, les yeux verts. Signe particulier a reçu l'entraînement de base des policiers d'Omicron au maniement des armes Weber et aux techniques de combat. Ça, c'est pas... c'est son corps. Moi, je suis à l'intérieur. Hein. Alors, appelez un taxi. Ok, appel du slider, c'est ça le taxi, c'est un slider pour... le quartier d'Anakeba, Anekba, c'est ça. L'appartement de Kyle. Ok, c'est bon. Compliqué. Ben voilà le taxi. Putain, il a été rapide, le mec. Putain, la gueule du taxi. La grimpe dedans. Quoi, déjà? Fais gaffe, t'as pu écrabouiller par les bagnoles. C'est ici, l'appartement de Kyle. D'accord, d'accord. Alors, Kyle est mariée, ou je sais pas, ou fiancée. Elle va reconnaître le corps de Kyle. Mais c'est moi qui suis à l'intérieur, avec une mémoire un peu brouillée. Alors l'appartement, il est où? Ah ouais, utilisez la clé. Un jour, je comprendrai quelque chose. En haut, en haut, en haut. Putain, pas possible. La clé, ok. Utilisez. Wow. Ah, c'est pas la bonne porte. Ok, d'accord, c'est pas la bonne porte. Ça doit être... ici, cet ascenseur, plutôt. Alors, on va se mettre vers le... utiliser la carte de quai, là. La clé, du moins. Bon, utiliser. Ah, d'accord, c'est le bon.
Et me voilà chez lui. Alors je connais pas du tout. Hein. Lui, il connaît, c'est chez lui. Et moi, je suis pas moi, non. Moi, je suis à l'intérieur de son corps. Qu'est-ce que tu veux que je connaisse? Ah ouais, ça a de la gueule. Il y a la télé, au moins. Les tableaux d'art. Bizarre, leur conception de l'art, ici. J'ai même... Quoi? Kale, je t'aime. Ouais, le flash. J'ai cru voir quelqu'un là devant moi. Peut-être sa copine. Kale, je t'aime. Moi, je la connais pas en tout cas. Où est-ce qu'elle est? Il y a d'autres pièces? Ça, c'est quoi là? Elle est où la chambre? Ah ouais, on se voit dans la glace. Super. C'est un salon, ça. Là, ça, c'est les chiottes. La douche. La douche. On s'en fout de la douche, on sort. Putain, je sais même pas où j'habite. C'est censé être chez moi, pourtant. Une porte ici. On va voir. Mais j'en sors d'ici. Putain, elle est où la piole? Tu étais où, toi? Ah, c'est une cuisine, ouais, d'accord, elle est pas dans la cuisine. Là voilà. Eh oh, tire pas. Étrange. C'est un corps que j'ai jamais touché. Oh Kale, je croyais ne plus jamais te revoir, mais où étais-tu? Tu as disparu pendant des jours. Ah, cette petite voix. Tu marches à quoi, toi? Écoute-moi. Je connais même pas son prénom, ni son nom. Je sais pas, je me souviens plus, j'ai la tête embrouillée. Tu veux dire que tu as perdu la mémoire? Mes souvenirs vont revenir, mais il faut que tu m'aides à comprendre ce qui m'est arrivé. Parle-moi des circonstances de ma disparition, j'ai tout oublié. Il y a 4 jours, tu n'es pas rentré de ton travail. J'ai appelé ton bureau au centre de sécurité. On m'a répondu que tu étais parti enquêter avec ton coéquipier Den et qu'on était sans nouvelles depuis. C'est tout ce qu'ils ont pu me dire. Et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils n'ont pas pu vous retrouver. Tu as disparu sans laisser de traces. J'étais folle d'inquiétude. J'ai fini par penser que tu avais été arrêté par la milice ou qu'ils t'avaient tué. Je travaillais sur une enquête, c'est bien ça. Je suis un policier. Tu es agent enquêteur dans la police de Micron? Tu enquêtais sur des affaires avec ton coéquipier, Den. Den, c'est son nom. Den, c'est peut-être quelque chose au sujet de ma disparition. Quand j'ai réalisé que tu avais disparu, j'ai cherché Den pour lui demander s'il savait quelque chose. Mais il avait disparu aussi. Sur quel dossier je travaillais avant ma disparition? Tu le sais, toi? Je ne sais rien de l'affaire sur laquelle tu enquêtais. Tu ne me parlais jamais de ton travail. Pourquoi tu ne vas pas à ton bureau au centre de sécurité? Ils doivent sûrement encore te chercher. Ouais, c'est ce que je vais faire. Tu as raison. Je vais y aller. Oh, Kale! Je suis si heureuse que tu sois revenue. Mignonne, mais moi je la connais pas. Elle va où, là? C'est ça, la chambre? Par où elle est passée, là? Ici? La voilà. Wow, d'accord. Ben, j'ai le temps d'aller au centre de police, non? Putain, et tu arrives à marcher, toi? Non, c'est pas mon corps, tu comprends bien. Ah ouais, faut que je dorme. Oui, je peux pas m'endormir sur elle, évidemment. Ouais. C'est là qu'on se couche, en face d'elle. Eh, ça marche. Oh, d'accord. Waouh.
La femme de Kyle. C'est quoi ça? C'est quoi ce cauchemar? Waouh! Dur. J'ai fait un cauchemar. Mais t'arrêtes d'être con, je me gourde touche. Est-ce que je peux lui reparler? À ma nouvelle compagne? Connard! Qui va lui sauter dessus ou quoi? Pas comme ça. Là, comme ça. T'as rien à lui dire? Allez, go! Pour le centre de police, qu'on sache ce que je fous dans le score, ce qui s'est passé, non pas dans les chiottes. Bah, y a rien dans les placards, en fait. T'as compliqué les touches. Hein. Ah ouais, je peux ouvrir. C'est quoi, ça? Carte de police de Kael. J'ai ma carte de police. Ça, c'est pour soigner. Un medikit. Ok. Sans carte de police, je suis sûr que je rentrerai pas au commissariat d'Omicron. Et là, y a rien, là? C'est quoi? Mais regarde! Ordonnance pour des somnifères. Ah bon? Je marchais avec ça? Enfin, quel, du moins? Ok. J'ai envie d'aller aux chiottes. Ils sont où, les chiottes, ici? C'est pas chez moi. Ah ouais, ok. Ça marche? Waouh! Putain, ça soulage. Allez, en route pour le central de police. Heureusement qu'il y a des taxis, parce que je sais pas où ça se trouve. Bon, toi, tu restes là, tu bouges pas. Dommage. Faut que j'y aille.